Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Ici, ce sont des légumes que j'ai achetés au magasin africain. Canaïla, bonjour. Ce sont les légumes que j'ai achetés au magasin africain avec mes élèves. Ça ressemble beaucoup à une sorte de légume de mon pays. Này thấy như giống giống như rau cần hay mồng tơi cái gì đó. Bây giờ mình sẽ nấu canh nha. Nấu nước sôi thật sôi. Ui. Đừng xào. Mẹ, comme je confesse tout thế. Comme. On va manger avec. Comme j'ai dit à Ghislaine que je vais faire sauter avec de l'ail, mais comme j'ai un autre plat sauté déjà, du coup pour équilibrer, je vais faire juste cuire dans de l'eau, blanchir si vous voulez. Comme ça, on mange un petit peu légère. J'attends quelques minutes pour que j'augmente le feu. J'attends. J'ai acheté une botte, je ne sais plus, ça coûte combien. J'ai mangé la moitié, maintenant j'ai la moitié. Je peux éventuellement ajouter un petit peu de sel. J'attends quelques minutes. Pour que les légumes restent toujours verts, soit je ne ferme pas avec le couvercle, soit j'ajoute un peu de bicarbonate sodium alimentaire. Ça, on en faut bien. Je vais sortir. Ça, c'est le poisson que j'ai acheté. Je dois dire la vérité, je connais pas le nom. Je reconnais un petit peu la tête. Snapper steak. C'est un produit de quel pays? Oulala, je ne sais pas. Si vous avez vu, vous, origine, Suriname, c'est quel pays? Ok, encore, j'ai fait de la marinade avec du sel, un écrivain, je ne me rappelle plus le nom, il est de couleur jaune et du citronnelle. Ok, maintenant je vais mettre. Je fais frire, donc je mets du poisson.
Pargo. C'est facile pour nous. Comment on va manger? On prend comme ça. On prend un petit peu de légumes. Piment. Comme le poisson il est salé, j'ai fait de la marinade avec du sel. Donc normalement on peut prendre le sauce de soja, mais je n'ai pas osé parce qu'il est déjà salé. Ok, voilà, je vais lancer. C'est très bon. Le piment, c'est le piment mexicain, c'est pas quoi là. Et vous pouvez prendre un petit peu. Vous voyez, c'est du citronnelle que je fais frire vers la fin. Sauter le riz demain. Poisson, légumes.